نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غضب الله سبحانه وتعالى نبيل في بنتيشون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ركمنه في عبيل في الإسلام، كما الله سبحانه وتعالى في جيل القرآن وذكر في عبيل فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فاس في عبيل مفيد من جمن الإيمان. إن مكوبة إغيه نفيا في الإسلام وفي بليس et là aussi beaucoup est rire pour mauvais qui donne la suie. Alors ça rappelle, c'est un rappel qui concerne tout du monde, qu'il soit homme et dame, c'est tellement de qualité qui un musulman lui vient vigilant, qui lui vient faire tout ce mieux pour ne pas gagner bonne qualité qui vient dénoncer par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bonne qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala mais aussi fut dénoncé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelle qualité je peux causer aujourd'hui, frère l'Islam? C'est attribut qui Allah fait réprimander dans le Coran, c'est attribut munafiq et qui fait vraiment mettre en garde le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un munafiq, qui était sa frère l'Islam et sur l'Islam? Un munafiq, le mot munafiq est dérivé du verbe nifaq. Nifaq veut dire quelque chose qui est cassé, veut dire qu'à l'intérieur. Donc, tu appelles cette catégorie du monde munafiq parce que je te casse quelque chose et je te fais apparaître une autre chose. Munafiq, quand un groupe du monde fait gagner sa type à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que à l'intérieur des obligations, je suis contre l'islam, je suis un dégoût pour l'islam, je suis une rébellion pour Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais ouvertement, en public, je t'amène rôle, je vis en tant que musulman, mais à l'intérieur, il y a quelque chose de différent. Peut-être c'est un islam, peut-être c'est un islam qui, quand on écoute sa causerie, capable de soutenir nous bien loin avec sa tribu munafiq. Peut-être nous croyons que sa tribu, quand vous consultez vous-même à l'intérieur, vous pensez moi qui n'en vaut pas parmi sa catégorie du monde. Mais erreur, il commence depuis la même. Erreur, un musulman, il commence depuis la même quand il sentit en sécurité. Quand il sentit que non, moi, je ne suis pas capable de faire les amis. Moi, je ne suis pas capable de faire couf, je ne suis pas capable de faire un PC, mais pour faire couf avec Allah, ben Asimi. Ou bien moi, je ne suis pas capable de faire un PC, mais pour adorer l'autre, avoir d'Allah, impossible. Moi, ça consiste à une chose qui me connaît concernant le hadith, pour me commettre une innovation, ben Asimi, impossible. Ou bien moi, je ne suis pas capable d'être hypocrite vis-à-vis Allah, pour ne pas désobéir publiquement, pour ne pas faire un bêtise publiquement, pour ne pas gagner un cas du monde, mais pour faire hypocrisie avec Allah,
La même idée, elle a commencé. Parce qu'un musulman, les musulmans vivent avec sa crainte. Un musulman, n'importe qui quantité, il est mal à ce qu'il peut faire. Un musulman, n'importe qui quantité, l'obéissance, il peut pratiquer. N'importe qui degré d'imam qui n'arrive. Les musulmans, tout le temps, mettent dans son esprit qu'il n'est pas à l'abri, qui un dérapage arrivé et Allah nous soutient. N'importe qui s'en a. Ou capable de faire Hajj, ou capable de faire toutes sortes de qualités pour le travail, ou capable de faire toutes sortes de qualités de sacrifice, ou capable de passer de beaucoup de tests, pas de dire que quand un test là pourrait me parer encore, pourrait passer, pas nécessaire. Alors sa crainte, sa vigilance, qui demain au capable de faire ces autres qui vont passer. Ces autres, mon récit fait victoire dans sa bonne tentation. Ces autres, mon récit veut dire, fait victoire. Bon, vous savez qu'on est qui, tout ça qui n'arrive moi comme succès, c'est un support depuis Allah à son faveur, qui aide moi, qui jusqu'à aujourd'hui, mon bien bien faire dans sa vie, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aide moi, Allah son faveur au moins, qui m'obéit pratique la vie un musulman, comme Allah fait demander le Coran et comme a fait enseigner dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que, quand on dit le Coran, dua est aussi dua à invocation de votre prophète. Quand je invoque Allah, quand je peux supplier Allah subhanahu wa ta'ala, parfois vous pouvez se répéter comment un prophète, sa quantité iman, mais sa dua là n'est pas compatible à sa prophète. Sa dua là n'est pas lui qui vous a demandé ça. C'est un démon qui se iman fait qui vous a demandé ça. Pourtant, quand nous regardons certains prophètes de Dua, nous avons l'impression que ça c'est quelque chose vraiment, vraiment important. Qu'ils appellent Dua Ibrahim alayhi salam. Quand il me dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit Allah vous protège-lui et protège ce n'est qu'en son prophète Ismaïl Ishaq, qui se n'a pas tombé dans l'idolâtrie. Alors quand nous regardons un prophète, qui prophète vous fait idolâtrie? Mais c'est ça. Qui va le prophète pour avoir notre portant mais pourtant Ibrahim alayhi salam fait une demande sa dua wa junubni wa bani anna abuda l'aslam. Protège-moi ya Rabbi et moi des enfants qui n'a pas un ado, pas d'idole. Qui fait parce que humainement il y a un prophète, mais à part qu'il y a un prophète humain, alors qu'il fait cause avec Allah. Son relation avec Allah, là quand il fait cause avec Allah, il fait cause en tant qu'un prophète, il fait cause en tant qu'un insan, qu'une créature, qu'un humain. Alors en tant qu'un humain, il est vulnérable. En tant qu'un humain, il est vulnérable. Mais qui fait elle n'est pas content de s'empêcher parce qu'il est prophète. Un humain, Allah fait créer une fête. On connaît pas l'insan en barifa. Allah fait créer une insane fête. Alors par rapport à son nature humaine, alors il sentit ça, l'urgence pour demander à Allah. Contre l'idolâtrie. Mais qui fait ça? Ça met dans l'idolâtrie parce qu'un prophète qui est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais rien pour soi-même. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il me dit avec Allah, Allahumma ya muqallib al qulub, thabbit qalbi ala din. Oh Allah, celui qui contrôle les guerres, tini mon été faire l'autre dîme. Qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bédiman sa dua, ou Allah si sur les guerres. Vous pensez où un point de seconde, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est capable de dire impossible. Et là, je vous dis, il vient faire ça pour donner des sons. Oui, il vient faire ça pour vous. Et il dit, son mat, mais quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire droit avec Allah, il peut faire intéressant, il est sincère ce droit. C'est juste par rapport qui lien humain, qui a Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui crée humain, mais il n'est pas vulnérable parce qu'il est prophète. Donc, quand il peut être avec son homme, il peut être avec son homme en tant qu'insan. Alors pour cette raison, il peut dire Ya Rabbi, Ya Rabbi, qalbi bal qulub, thabbit qalbi ala dini, tini mon été ferme, l'os a dit, et impossible pour qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est glissé, parce qu'il y a encore une fois, parce qu'il y a un prophète. Pareil pour ça même, Omar radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, le seul dua, alors qu'il peut dire, oh Allah, ferme mon action, vite sincèrement pour toi, pas laisse-moi
idolatri iman dengan ibadat. Umar, le même que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam il est cité dans le prophète pour venir après moi, c'était Umar radi Allahu anhu. Ça veut dire Umar que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dit que le shaitan te dit qu'est-ce qu'on doit. Ça veut dire Umar que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dit qu'il trouve un château qui permet de construire le paradis. Mais il demande pour que ça ne jusqu'à la fin de finir pour Umar radi Allahu anhu. Mais qu'est Umar radi Allahu anhu qui veut dire qu'il va la pour pas faire chier dans mon action qui va me faire pour toi. Qui fait parce que Omar, lui, il n'est pas payé, il n'est pas payé poste, il n'est pas payé pour faire une vis-à-vis d'Allah. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit. Alors, on fait droit par rapport à moi. Un jeune dit non, je reste toujours humble, je reste toujours humain dans une relation vis-à-vis d'Allah. Qu'il soit un prophète, qu'il soit un sahaba, je reste toujours humain dans une relation vis-à-vis d'Allah. Tout ça qui perd les autres, c'est faveur de la part d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala se faveur aux autres, mais quand je peux causer, je ne peux pas causer en tant qu'un tel le dit. Je ne peux causer en tant, mais il veut dire qu'il y a du monde qui finit, il veut dire obligatoirement dans un autre, non, mais en tant qu'un insan qui faqir, qui pauvre, qui dépend 100% de Allah ou Rabbul Alamin. On a dit un peu, quand la liste m'a fait rire, si casquette dans la main sahaba, alors quand on a parce que ça la liste du secret qui préservait dans la vie d'un sahaba. Alors ce sahabi dit, ya Amir al-Mu'minin, assiste-toi. Pas de faire cela de Janaza parce qu'il est au haut de la liste. Alors Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, calife, Amir al-Mu'minin, chef de bande croyant. Alors quand il vient écoute parole de sa lettre sahaba, de son compagnon, qu'il vient dire avec sa tenue, il vient dire au intel, au demande-toi à cause d'Allah, est-ce qu'il m'en nom mon nom, les autres allaient sur l'Afrique, alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ce sahabi dit, moi je ne dois garantir qu'il te parle de moralisme, mais seulement, moi pas pour garantir personne après toi. Il veut dire, c'est une faveur, c'est une exception, les filles disent, ça secret, divulguer ça secret, alors Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, par respect qu'il finira pour Omar, et aussi par khatat qu'il Omar fait gagner, mais il fait garantir qu'il garde secret. Mais ça c'est important pour nous, mais Omar, qui craint qu'il n'y ait pas gagné, qu'il n'y ait pas de monafé. Mais là, il craint. Et il parle qu'il n'y ait pas de parce qu'il finit le promis pour la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il y ait un jeune. 10 parmi 10 jeunes qui finit pour mettre un jeune, c'était Omar, radiallahu anhu. Mais qui vient de dire ça encore une fois, c'est que je, c'est qu'Allah qui connaît aux autres, alhamdulillah, mais quand je vis devant Allah, quand je pratique le dîme, je pratique le dîme en tant qu'un insan qui est le shaitan parmi eux, je suis vulnérable. Humain, mais c'est juste fermé Allah qui nous aide. Alors pour cette raison, les filles qui sont tracées, attention, ils ont la liste qu'on a fait. Alors tout ça, l'affaire en islam, amène-nous pour conclure qu'un musulman, il est très très vigilant concernant son iman. Même Abu Bakr, radiallahu anhu, qui son iman, qui dépasse tout iman dans le sahaba. Après, ben l'anbiya, après, ben prophète, ben messager, ben prophète, Abu Bakr, radiallahu anhu, un de mes billets du monde qui n'existe sur la terre, il peut m'enseigner dans la Dina. Quand un sahabi fait dire à Abu Bakr, mon fils mon ami, Abu Bakr qui a été fait de mon ami, il dit qu'il me sent chez moi devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'une façon et dans la case d'une autre façon. Pour sentir mon iman devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas pareil et dans la case pas pareil. Abu Bakr vient moi ici pareil, pourquoi mon fils mon ami, moi ici pour gagner même sentiment. Dans le cas de la Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un khaka'a. Alors, ça va maintenant, je vais faire vol, frère. Ça va un sahabi, je ne sais pas, je vais faire vol. Quand je fais cause avec Allah, quand je peux montrer cette crainte, qui demeure, je suis capable, vulnérable, malgré qu'il y a même côté de ce qui est un khaka'a, c'est montrer-nous cette sincérité dans une ibadah vis-à-vis d'Allah, dans une relation vis-à-vis d'Allah, cette sincérité qui n'a rien à pas vous accepter par faveur d'Allah. Et pas se faveur. Si je dis frère l'islam, tout le monde dit, c'est surtout en premier, c'est faveur Allah. Allah fait des prières, Allah fait des pitié dans nous, Allah fait trouve un petit effort pour le faire, Allah fait
pitié-nous, Allah fait pitié-nous, Zodil dans la case Allah. Mais par contre, qui, moi, on a envie de venir, de nous pas envie de venir, vous pas venir, non. En premier, c'est faveur Allah qui donne nous. Nous besoin de rencontrer dans l'islam, sa iman, Allah lui donne et lui prend ça. Sa iman, Allah lui donne lui et lui prend Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Allah lui donne et lui prend, puis il donne l'argent, il prend l'argent, il donne pouvoir, il reste pouvoir, puis il donne l'honneur et il reste l'honneur, il donne les honneurs. Allah lui donne l'iman, ensuite il reste l'iman, il donne le coup. D'après, quantité que vous faites Allah content, quantité que vous faites en colère. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, alors il donne nous sa vérité. Alors si on mérite qui ou gagne une récompense avec Allah, Allah lui donne nous, mais si on mérite légalement, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous légalement. Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah lui guide ce qu'il a envie et lui égare ce qu'il a envie. Donc, frère l'islam, très important, comment nous gagnons tracas de la santé? Comment nous gagnons tracas de la santé? Du diabète, de tension, de maladie de guerre, et tout gagne toutes petites choses qui nous affectent. Dans ma clinique, nous allons nous faire des décisions, dans notre docteur, dans la demande concernant la santé, nous renseigner dans le bien-être, nous commençons à prendre des précautions d'avancer. Frère l'islam, tout ça là, c'est pas une petite chose qui est nécessaire pour un musulman. Tout sa crainte et toute sa précaution, ils font partie de la vie musulman. Parce que le musulman, il sait être en bonne santé pour être capable de vivre une vraie la vie musulman. Mais en plus de ça, un musulman, comme un gain gratin pour son égo, qui se dit ici, qui se dit sans, qui quantité sur lesquels peut battre, ni bizarre gain tracas, qui quantité sur l'imam peut battre de ce guerre. Ni bizarre gain tracas. Renseigner, à le vérifier, à le consulter, est-ce que ce iman n'est pas normal ou bien ce iman n'est pas fait? Est-ce que ce iman est malade ou bien ce iman est en bonne santé? Il est besoin de consulter. Pas demain, qui quand finit mot, l'air n'a pas le rencontre trop tard. Nous, besoin, frère l'islam, faire beaucoup d'efforts qui nous consulter nos imams et nous enquêter par des spécialistes pour nous capables de connaître est-ce qu'il nous en rêve. Est-ce qu'il nous paie d'après l'homme qui nous aime ou bien non? Pareil, vous savez pourquoi que si, il y a un docteur. Docteur, dis-moi non, vous êtes ici correct. Ou les guerres correctes. Un petit précaution concernant tel manger, un petit précaution concernant tel nourriture, fait un peu d'exercice. Mais vous savez, quand vous sentez un iman, quand vous avez la dignité d'un iman, quand vous sentez un vulnérable, et vous supposez sentir un vulnérable, vous visez continuellement vos questions qui vous pensez faire, un petit peu qui n'a pas dit, un petit peu qui continue, est-ce qu'il s'en est un peu fier, est-ce qu'il fait du tout pour l'imam, est-ce qu'il m'a fait telle bêtise, est-ce qu'il s'en est capable de faire problème avec moi, comment vous serez comme ça, le fois là pour faire tel, pour penser mon compétence chiffre, le fois là pour penser mon compétence innovation de vida, le fois là pour penser mon cause mauvaise vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, mon pense à quelque chose qui est mauvais, alors est-ce qu'il musulman il fait ça frère? Est-ce qu'il musulman, les gars, même tracas qui gagne la tête sur l'écho pourri en bas la caisse. Ça l'écho, une fois que vous quittez les roues, quittez pour des bons, ça les pourri en bas la caisse, pas pour revenir en rose. Le jour du diamant, là, pour reconstruire un autre, un écho qui est adapté avec la zone. Ça l'écho qui est là, là, après trois jours, il commence pourri de le dire. Mais qu'est-ce qui compte qu'il y a dans ça? Qu'est-ce qui compte si t'es tracas pour gagner pour l'écho? Et après trois jours, il vous donne le lien pour courir, mais pour l'imam, il vous reste avec nous jusqu'à la fin. Soit qui promène nous dans l'enfer, soit promène nous dans le jannat. Malheureusement, frère l'islam, musulman n'a pas encore pour l'importance qu'il y veille le soliman. Alors, donc, frère l'islam et sœur l'islam, quelques rappels que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fit dire nous, et aussi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fit m'étendre. Qui va empêcher ces tunnels qui a le VR en PC, des pouffres. Un petit PC, c'est un petit rivière, ça. Il débouche quand même un armée. Et cette armée-là, il y a même une armée centrale. Pareil comme ça, même PC. Petit PC, vous continuez dans ce PC. Vous continuellement, PSNR dans ce PC, il y a même une grand PC. Et ce grand PC, vous continuez à lire. Vous continuez à assister là-dedans, vous pouvez
ensemble. Les poupées toutes de l'eau dans sa tête. Ça a empêché, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre, dans beaucoup de hadiths, comme un salaf, qui fait nous comprendre, qui va nous empêcher, c'est pas un bali, c'est pas un moyen qui fait nous sortir de l'eau, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, me rappelle nous concernant quatre péchés, concernant quatre actions qui nous aiment en commun dans la vie par le musulman. Et ça, par l'action-là, c'est par le repère qui indique nous d'écrire nos iman. C'est par le repère qui indique nous d'écrire nos iman. Pareil, il y a un repère dans le mégo qui fait nous connaître, mais là, on vous a fait tester guerre. Il y a un repère dans le mégo. Il y a un repère, on vous a fait tester ça. On va trop blesser, on va cicatriser. Alors, on vous a fait tester ça, un repère. Alors, on peut être moins respirer trop beaucoup un repère. On peut être moins fatigué pour n'avoir rien de repère. Tout cela, on peut porter ça. Mais c'est un repère qui, oui, m'en fait très important, mais malheureusement, si nous posons la question là, qui répète, oui, m'en fait, alors tout le monde pourrait s'en ressent. Donc, Hadith Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, lui mentionne quelques actions qui ne nous aiment pas compte. Numéro 1, c'est cause mentie. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, être le munafiq, trois signes de bal munafiq. Dans le bal de hadith, il y en a quatre. Hadith Abdullah ibn Amr. Hadith Abu Huraira, il y en a trois. Alors, on a beaucoup de repères qui est important. Tout d'abord, dans l'islam, c'est mensonge. Mensonge, c'est un repère qui est capable de pour évaluer la santé des l'imam. Numéro 2. Un deuxième repère qui est très important, c'est qu'il a qui lui mène ça, nous avons une discussion pour faire. Nous avons un impossible parce qu'il nous balance. Malentendu là. Comment réagir quand on confronte quelqu'un? Comment réagir quand on peut discuter avec le frère? Quand on fait face à lui, de ne faire rien rire. Est-ce qu'à qui limite là où l'armée m'a aussi? Est-ce qu'à qui limite où l'Ibien m'a aussi? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam, vient mettre ça aussi à l'épée pour vous capable d'évaluer ou iman. Et troisième, frère l'islam concerne la promesse. Quand on promet d'un dire, on fait un travail. Quand on promet qu'il veut dire, on promet toi. Et quand on peut promettre des dire, on a arrivé à fini de dépendre le roule. On promet toi, on peut faire telle qu'il soit. On peut t'attendre dans ça. Tu veux dire, moi, tel jour. Tu veux dire, moi, tel mois, tel jour. On peut finir quand on a besoin de te dire, de passer de ta porte, de prendre l'argent. Quand je vous l'ai donné, il reste à temps de demi-journée, personne ne parle d'une partie. Ça ne résiste pas l'argent. Alors, quand tu dis, les casses sont promesses, les casses sont, quand tu dépends de l'ONI, les filles de parole, alors ça c'est un signe qui est très important pour nous parler de l'imam et aussi confidence. Parfois, dans la vie de l'islam, le plus important c'est un petit son. Nous ne pouvons pas vivre avec tout secret nous-mêmes. Nous partageons la confidence parfois avec les patrons, parfois avec nos bons camarades, parfois avec les gens qui nous pensent et la confiance aux eux. Nous disons c'est une petite chose qui s'écrit. Nous disons c'est une confidence qui est arrivée, la langue battée, qui est manigosée. Fais attention, ça est très commun dans la communauté musulmane. Pas ta part dans ce secret. Mon partage a une parole confidentielle. On n'a pas gagné droit, moralement. Islamiquement parlant, on s'est à l'aide de notre témoin. Sinon, par là, si vous faites ça pour le micro, maintenant, si vous faites ça, je vais vous dire ça. Parce que ça fait sa confiance, parce qu'il est trouvé qui est capable de faire confiance, pas capable de faire ça en dehors. Mais nous faisons, voici ce qu'il y a des semaines, voici ce qu'il y a des jardins, voici ce qu'il y a ici, on commence, on dire, cause quelque chose, rôle, donc quelque chose qui va concerner. Tout cela, c'est pas très bien, qui est très important, mais en islam, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vient mentionner, alors inshallah, nous y détaillons quelques-uns alors, dans les khutbah, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسول الله صلى الله عليه وسلم في متابعات مانسونس. et mensonges dans l'islam c'était un grand grand péché. À tel point que le رسول الله صلى الله عليه وسلم في combat mensonges avec faire zina. Que pensez-vous? Dans nos esprits, nous pensons
Zina plus grave qui mensonge. Peut-être dans certaines langues, zina plus grave. Mais d'une autre façon, mensonge est plus grave. Parce que conséquence mensonge, il est capable d'être plus pire que zina. Quand tu m'en fais zina, alors quand tu m'en commets l'adultère en deux personnes, faut ce qui va arriver après que tu n'as pas fini, ou bien, puisque là, ce madame me connaît, madame, je suis obligé de trouver la case et de casser, les enfants à l'époque par ici, etc. Mais mensonge fait en islam, ce dégât est plus qu'il s'en fout. Ce dégât est plus qu'il s'en fout. Combien de soins coulés par mensonge? Combien l'intimité n'existe par mensonge? Et combien innocents fut souffert par mensonge? Et le monde, en tant que beaucoup façon, fait rouler le mensonge. C'est pour ça que le monde, là-dedans, peut être précipice. Parce que beaucoup de choses passent par mensonge. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'min yazni. Un croyant est capable, par faiblesse, malgré qu'il y ait une punition, il est capable de tomber dans la dignité. Al-mu'min yasrib, un croyant est capable. Un croyant, il n'a pas cause mentir. Un croyant, il n'a pas cause mentir. Même si il disait cause mentir, cause vraie, et ça, par exemple, c'est tellement de problème, pas de problème. Il n'a pas gagné droit cause mentir devant une petite chose qui, sa mensonge là, pour faire, ben, dit-on, les autres du monde. Un mensonge qui pour faire coupable et innocent. Un mensonge qui pour faire innocent et coupable. Un mensonge qui permet de souffrance dans la vie du monde. Un mensonge qui permet de l'injustice sur la terre. Un mensonge qui peut faire bénéficier sans que vous méritiez. C'est pas un mensonge qui est halal. Un mensonge qui peut faire l'injustice prévaloir, c'est un mensonge qui est halal. Un mensonge qui fait un coupable fait une vie d'innocence, c'est un mensonge qui est halal. Un mensonge qui fait l'innocent un coupable, c'est un mensonge qui est halal. Un mensonge qui fait moi gagner certains privilèges qu'il ne faut pas mériter. C'est pas un mensonge qui est halal. Mais par contre, un mensonge pour casser un démon. Parce qu'ici, pour dire à quelqu'un qui tel démon fait une petite chose, alors par exemple, le problème, là-dedans, il y a certains détails. Là-dedans, il y a certains détails cassés de ce démon. Et il y a son PC cassé. Et il y a son PC pas cassé. Un démon qui me trouve lui de sur la case, alors lui a un rôle 5 euros de sur la case, il y a une certaine désobéissance qui lui fait. Si je vous dis, en paix avec Allah, alors vous ne pouvez pas gagner droit, quand tu me dis, je pense à mon démon, je dis ça, ça est un jahannam, ça, on a jahannam. Non, parce que là, en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes un inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez bien aimer les démons, pour pas divulguer ce PC, mais pour pas montrer aussi qu'il y a un démon qui est un mauvais démon. Vous êtes cassé parce qu'il fait, lui, je nous fais rire. Mais parfois, il n'a pas de rire qui m'oblige à divulguer. On n'a pas gagné quand il y a là, non. On ne disait pas se mentir pour casser le PC, le frère. Pas tout PC qui gagne droit pour se mentir pour casser le PC. C'est un démon pécoqué à son mal. C'est un démon pécoqué à son mal. C'est un démon péorici dans le mal. C'est un démon qui fait trahison vis-à-vis de la loi dit. Alors, ça, un démon là, nous disons dire la vérité, mais non pas dire casser de ce PC. Non, pas dire ça. Autant vous voulez utiliser. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, filmez certainement de détails qui est le tzour, kabab, détail au mensonge en lui-même. Mais ça qui est important de faire l'islam, mensonge qui grave, c'est mensonge qu'on veut dire, qui fait la vérité, qui fausseté, qui dire fait innocent, fait coupable, fait coupable, fait innocent, fait un djimoun, veut dire gagne certains privilèges, veut dire sans qu'il ne mérite plus, ou bien pénalise certains djimoun au détriment de moi. Cela, c'est un mensonge qui défend dans l'île d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, vous savez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer le frère l'islam qui n'ont pas gagné droit des salles d'abbassis, comme on peut gagner un banquerel avec mon frère. Dans l'époque, Sahaba finit beaucoup, Mantiraïmon Sahaba. Entre Sahaba finit là, c'était Mantiraïmon, entre Hamza, entre Ali radiallahu anh, entre Abu Bakr, Fatima radiallahu anha, entre Omar radiallahu anh, et Ali radiallahu anhu, etc. Et il y a beaucoup de banquerel qui finit arriver, Mouhaouya, Ali, Aisha radiallahu anha. Ya Ali, oh Ali, comment tu ne vas pas subir cette injustice que Mouhaouya peut faire? Ça va dire, on a peut-être dit, oh, qu'est-ce que Mouhaouya, qu'est-ce que Ali, radiallahu anhu, comment répondre?
vous payer? Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait des exodes d'une façon, il dit, ikhwanuna barou alayna. C'est nos bons frères, mais c'est pas qu'il peut transgresser l'autre. C'est nos bons frères qui peut faire injustice avec nous. Petit être repère qui est très important quand on peut discuter, quand on peut gagner une bonne querelle, quand on peut gagner une dispute, nous puissions connaître comment nous agir et l'équilibre qui nous aide. Même l'équilibre, pour gagner droit, réclame vos droits. Pour gagner droit, réclame vos droits. Pour gagner droit, nous vous ferons fausseté qui vous permise moi. Pour gagner droit, défendre-moi dans la limite, mais seulement au cas de sa limite, pour ne pas me dire que devant moi, c'est vos frères. Devant moi, c'est mon Kenaïman. Alors il faudrait que sa réaction-là lui arrive à cette limite. Il ne va pas dépasser la limite. C'est pour ça qu'Ali radiallahu anhu peut dire que quand on compte un petit monde, quand je compte un petit monde, compte en lien avec le niveau qui demain. Si vous avez besoin de rappeler le dialogue, vous êtes capable de rappeler le dialogue. Et dans la haine point du monde, quand la limite, quand demain, vous avez besoin de rêver le frère avec lui, vous êtes capable de rêver le frère avec lui. C'est l'équilibre qui est très important dans nos bonnes relations. Il ne faudrait pas que, quand un petit monde fait une erreur, on mette un arbre rouge, fini jusqu'à la mort. Et il ne faudrait pas aussi, quand on rentre avec un petit monde, pour rendre une qualité, puis demain, pour vous dire d'être tranquille. Et cassera le mal là, mais c'est dans vos relations pour en ligne, vous ne pouvez pas vous aller dans le monde. Non, c'est pas ça que l'islam fait montrer nous. Alors, donc, dans l'islam, sa qualité là, très très dangereuse quand nous descendons dans le passé. Surtout quand nous avons un conflit, nous mettons 10 mounes en déo dans le problème. Quand nous avons un problème avec M. Intel, vous pas gagner le droit de mettre son madame là, vous pas gagner le droit de mettre son enfant là, vous pas gagner le droit de mettre son maman là, vous pas gagner le droit de mettre son papa là, vous pas gagner le droit de mettre son famille là. On n'a pas gagné le droit de reprocher pour un bon qui nous fait faire les amis. Allah subhanahu wa ta'ala fait empêcher nous qui nous fait dire, nous reprocher un petit peu pour un du bien qui nous fait faire parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans son abattoir clairement qui c'est lui qui fait ça, faqad habita amal. Alors Allah subhanahu wa ta'ala annule sur une action. Là, il manne ou l'ada. Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner le manne. Man veut dire que quand gagne une discussion avec lui, tu te fais cause beaucoup, tu vas passer à manger une de toi. Il te fait cause beaucoup quand tu mets la langue de l'une de toi. Il te fait cause beaucoup quand tu as un problème avec toi. Comment vous dire ça pour gagner zéro dans le compte? Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que la dîna amanu, la tumutilu sadaqatikum bil manni wal ada. Oh, ben, j'ai mon kéna iman, n'a pas annulé une action pour faire man. Man veut dire que c'est possible. Vous rappelez-lui qui vous fait du bien pour lui, comment faire ça dans zéro. Ou bien, vous humiliez-lui pour une action pour le faire. Qui te fait cause beaucoup? Vous avez dit, à cause, quand tu vous montres, je ne sais pas si je m'en souviens. Tout ça, là, c'est une action très très grave, qui s'amène que le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne, si mon affaire. Si mon affaire, quand vous dérapez dans une discussion. Donc, soit qu'il vous cause une chose qui n'est pas bonne, soit qu'il vous met le PC sur famille, soit vous met pour préposter pour la nation pour le faire des amis, soit vous humilier, pour avoir une petite chose qui est sentie du pas, alors tout cela, c'est une petite chose qui est très grave, et c'est un signe mon ami, et vous pouvez trouver comment l'action est pour zéro, comme si vous ne faites rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans l'islam, concernant confiance, c'est une petite chose qui disparaît, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait une petite clé, qui est comme un signe réel. Confiance en Djimoun pour disparaître. Confiance en Djimoun pour disparaître. Pas capable de cause non rien au Djimoun. Ou envie de mettre un problème, on raconte Djimoun le problème. J'ai dit qu'il y a un moment que finalement tout problème vous êtes pas bien vous-même. C'est quand même le problème à cause ou pas. Qui fait? Parce qu'il s'en peut être fait, l'iman peut baisser. Donc au lieu d'utiliser comme ça, utiliser autrement. Mon frère, utiliser un support pour moi. Utiliser un soutien pour moi. Alors, confiance, c'est une chose qui est très importante. Wallahu la yuhibbu al-khainin. Allah n'a pas compté un trait. Man qui veut dire, abuse de confiance. Moi, j'ai un rôle qui m'offre avec vous. Vous prenez une parole, vous prenez un secret, et vous servez comme un sandal. Peut-être pas pour attendre, peut-être pas pour croire qu'il y a un petit monde sur le dunya des rouleaux. Il y a un petit monde sur le dunya des rouleaux. Vous n'êtes capable de faire l'influence sur le monde, qui le fait? Les rendre une qualité X, Y, Z, les rendre une qualité bien, une qualité telle, avec Tiffy un tel, avec Madame un tel, dans l'île Maurice, pour qu'ils aient fait. Si dans les frères, si dans les minceurs, si dans les familles,
quand tu n'as pas confiance, tu vis les autres de la vie personnelle. Tu viens avec cette vie, tu vis la vie personnelle. Pour gagner un petit réconfort, pour gagner un conseil, pour gagner quelque chose là, là, pour faciliter toi, alors tu t'es répété, alors tu n'as qu'il y fait rien. Tu n'as qu'il y fait. Alors tu connais bien pour ça, souvent des fois, les services comme Santas, les natas ou, quand tu n'es pas capable, il y a la vie pour qui t'as fait. Il y a ta soin de façon, quand tu n'es pas capable, pour être plié de toi-même qui peut faire gaffe. Alors ça, c'est typiquement qualité de Mounafik qui, malheureusement, frère l'islam, sa qualité-là, peut être tirée dans nous. Confiance, c'est un attribut humain. Et l'hypocrisie et manque de confiance, c'est un attribut Mounafik. Alors nous avons fait ces efforts qui, quand on peut faire confiance, quand on fait confiance à un frère, de n'importe quelle guerre, on donne un coup de 10 mois. Là aussi, il n'y a pas de civilité, mon secret. Sans niveau à laquelle les musulmans nous avons. De même qu'il y a un problème, l'icône de mon dossier, pour contre ce problème, nous avons la guerre, on bat lui, il bat moi, mais seulement pour qu'on mette la police, pour qu'on en fait 15 contre lui, mais seulement ça qui sauf qui pas concerne nos problèmes, ça vient s'écrire au fond de mon équerre, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prend un engagement avec moi en tant qu'un croyant, il m'a besoin d'un monde de confiance. Voilà, frère l'islam, c'est vraiment une recommandation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لمن الله سبحانه وتعالى دل التوفيق والحمد لله بنعمته تتم الصالحات واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.